Bonjour YouTube, ici Deadwolf et on se retrouve sur Metro. J'ai essayé de passer les deux jeux simultanément pour le prochain Exodus. Mais je les ai déjà passés et puis sérieusement j'ai adoré ces jeux. Je trouve ça le fun de revenir les jouer et puis j'en profite pour faire une vidéo parce que... Le tunnel se refroidissait. Melnick et moi n'étions plus très loin de la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face, quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait, mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Parce que j'adore ce jeu. Merci de m'avoir interrompu, Artyom. Continuons ce gameplay. Hé, Artyom. Quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil? Ne sachant pas si nous allions sauver notre monde, ou l'envoyer tout droit en enfer. C'est bon. Voilà. Il faut franchir l'avant-poste militaire pour rejoindre la surface, Artyom. Quelque chose bouge dans la pièce suivante. Ouvre la porte. Je te couvre. Bon. Je précise que quand j'ai joué, c'était sur Xbox et que là, je suis sur mon ordi. Cool. Je ne sais pas à quoi ça a servi. Ah. Il n'y a jamais rien qui marche par ici. Utilise ce système manuel pour ouvrir la porte. Ces caisses contiennent peut-être des munitions et des mini-packs. Ouais, Artyom, tue-moi. Ouais, vas-y, Banjo-Kazooie. Ah. Ok, c'est parti. Je crois que la sensibilité est un peu basse. Mais où est la pu... Ah. Holy... What the fuck? Nice game. Holy fuck, qu'est-ce qu'ils sont... Ok. Board game. Hashtag board game. Pas ça, je l'avais. Bon, on va essayer de moi. On dirait qu'il y a personne. Hello. Avant d'atteindre la surface, mets ton masque à gaz. Sinon, tu tiendras pas de bout très longtemps. Presque. C'est le théâtre Korolev. Il est très proche de la tour de télévision. Charge ton arme! Mais, moi je l'ai pas déjà fait. Ils approchent. Ah, ok. Pour nous. Got it, coach. Allons-y.
Let's do this. Et le voici, Artyom. Notre but. À vous, Bullman. À vous. Terminé. Je reçois 5 sur 5. Terminé. Nous sommes à la tour de télévision. Je répète. Nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué? Terminé. Affirmatif, contact établi. Il devrait être près de la tour de télévision à présent. Terminé. Reçu. Nous vous recontactons. On a des réflexes de fou. Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Tous en cercle! La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans. Et jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade. Artyom, enfin réveillé, je vois. Hunter va arriver. Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Bien. Souvent, le dos, il y a les yeux rouges. Ah, ouais. I want to believe. C'est un UFO qui se pose à voir. Allons-y, Artyom. La merde, les cochons, la maladie. J'ai oublié tout ce que je veux pas. Alex. Oui, Nikolai. La station ne tiendra pas longtemps si ces attaques ne s'arrêtent pas. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ce qu'en dit Hunter. Sergei, vous avez vu mon Sergei? Bonjour, Artyom. Tout ira bien. Une autre patrouille a été attaquée la nuit dernière. L'hôpital est plein. Je comprends. Maman, mais restez calme. Allons-y, Artyom.
Et Alexei, il était à l'avant. Pas de visiteur. Piotr, laissez-le tranquille, il est blessé. Oh, c'est vous. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Le capitaine a dit qu'il allait bien. Allez, Alex. Bonjour, Artyom. Comment vont les blessés? Pas d'amélioration. Deux sont morts ce matin. Les sangs ne tuent pas sur le coup. Combien de temps ça va durer? Ils s'en prennent à l'esprit. J'en peux plus. Victime. Ce qui, tôt ou tard, entraîne la mort. Je peux pas y arriver. Non. Attendez. Ils ont vraiment mis la salle de musique devant un pas. Right, qui c'est? C'est Hunter. Les mutants ne frappent jamais. Ouvrez cette porte. Bienvenue à VDNK, Hunter. Merci. Fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Alors, Hunter, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur? Pas grand-chose. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Artyom, j'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. Ces créatures mutantes sont différentes. Hey. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est pire encore. Les sons. Bref. Bitch. Quel qu'il soit, mon ordre a pour devise. Si l'adversaire est hostile, tue-le. Alerte intrus dans le conduit d'aération principale. Ils arrivent par en haut. Merde. On n'avait pas besoin de ça. Il y a des blessés juste derrière le mur. L'hôpital. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Alex, Hunter et moi. On doit rester ici et défendre le hall. Très bien. Artyom, attrape vite une arme. Ah, Yuski, tu me laisses pas le AK, c'est un noob. Bon sang, ils s'aventurent jamais si loin dans la station. Ok, pour vrai, là. Pas le choix de. Non. C'est l'hôpital. Ils sentent le sang. Sérieux? Okay, mais... Ferme la porte, bordel! C'est un bon tireur, ce petit. Yes, je crois qu'ils ont eu une eau. Pas de sombre ici. Juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur.
Elle fait fuir les Nosalis comme des rats dans les tunnels. Les sombres sont pas de simples mutants, mais des Homo Novus, la prochaine étape de l'évolution. Tu connais la survie du plus fort, bah devine, on a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai. Et j'emmènerai plusieurs de tes Homo Novus avec moi en enfer. Tu te prends vraiment pour un cow-boy? Ouvre les yeux, Hunter! 10 soldats, entraînés au combat! Leur corps brisé, leur esprit perdu! Ils ont détruit le poste de garde extérieure! C'est ce qui se passe là-bas, au-delà de votre périmètre. Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik, et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à police. Mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain, et il cherchait des gardes. Alors je me suis inscrit. Enfin, t'as pris ton temps, comme d'hab. Ok, prends ton matos et va sur le quai. Ils nous attendent. Je te rejoins là-bas. Hé, Artyom, n'oublie rien. It smells Easter egg over here. Désolé, Artyom. Cette partie de la station est temporairement condamnée. Seuls les gardes peuvent passer. T'es donc ben lette. Désolé, je peux pas te laisser passer. T'es lette en crise, pareil. Sympa, cette musique. Où avez-vous trouvé cette cassette? Un ranger me l'a donné contre une tonne de munitions. Allez, Artyom. Vous êtes sûr que vous avez réussi en autre chose? Par exemple... Je sais. La maison où tu aimerais habiter avec ton papa et ta maman. Non. Allez. Mystique, ça marche. Bébé, si ma femme cuisinait aussi bien que toi, je serais plus heureux des hommes. Ça lui fera une belle surprise. Alors je lui demande, ta femme ne sait pas du tout cuisiner? Et il me répond, en fait, je suis pas mariée. Ah, trop chaud. Vas-y, bon. Y'a personne. Menteur, hypocrite, traître, partout. Quoi? Tu me traites de dégueulasse? Et toi, t'es qu'une merde, ok? Je vois du cash. C'est toi, Pete! Oh shit, c'est pas moi, Pete. Et ça traite les autres de dégueulasse. Ça marche et ça laisse des sales traces partout. Et c'est Bibi qui devra tout nettoyer. Y'a vraiment de quoi se mettre en rogne. Tu fais la pire job ever aussi, check comment c'est sale. Lave? Ah ouais, lave? Ah. Femme de ménage de nos jours. Je t'ai dit de pas t'éloigner. Je t'ai cherché partout, je me suis vraiment inquiété. Commence jamais, ok?
Nous comptons sur j'ai déjà vu cette scène quelque part. Visez-moi ça. I need a weapon. Soldat à son arme. Voilà la procédure habituelle pour extraire le chemin. Sur le terrain, votre arme est votre meilleur allié. T'as encore vu? Debout, gros larme. Dis-moi, fils. Que veux-tu que je te Artyom, où est ton matos? Va à l'armurerie et écoute-toi. Bonjour Artyom. Il te faut des armes? Ok, voyons un peu. Mitraillette, calibre 5.45. Fabriqué à l'arsenal. Faible précision et surchauffe facile. Une vraie grossesse. Deux mains, une tête. Voici ton arme, et fonce. Toujours de courtes rafales, Artyom. Prends quelques munitions aussi. Voilà un chargeur universel pour alimenter les batteries. Et un masque à gaz. Porte-le dans les zones à forte radiation. Ou, Dieu te garde, monte en surface. Des trousses de secours, au cas où. I hope so. Ok, te voici équipé, mon ami. N'hésite pas à essayer ton arme sur mon champ de tir. Ok, et tâche de pas te faire repérer, d'accord? C'est ça, mon nom, c'est ton chien, c'est... C'est quoi les cibles? You happy now? Ah, donne-moi mes munitions. Quoi? Ça ne donne pas les munitions, j'ai utilisé. Ok, bitch. Out of here. On s'en fout du règlement. Vous croyez qu'un jour on reverra la surface? J'ai jamais vu Moscou, ma part soit. Il reste rien de Moscou. Ah. Comment ça va, Artyom? Pas très bien, on dirait que j'ai une grippe. À Saint-Pétersbourg, à Minsk, Kiev. C'est. Oh, father. Bien, Fiston. T'es prêt à y aller? Moi? Tu sais sûrement que notre station prépare une alliance avec Riga. Nous leur envoyons plusieurs drésines avec des denrées humanitaires, des armes et des équipements divers. C'est la cargaison que tu vas garder. Ça devrait pas être long, ni trop difficile. Artyom, une dernière chose. Je vois bien que t'admires Hunter. La vie des Rangers est différente de la nôtre. Ils sont imprudents, voire violents, de nature. On gagne rien à jouer les héros. Alors reste en dehors de tout ça. Emmène la caravane jusqu'à destination, puis reviens aussi vite que possible. Au revoir, mon fils. Ah, je savais qu'il y avait les yeux rouges tantôt. Ah, il peut pas se fumer un petit joint, lui. Je vous salue. Alors, vous êtes prêts à y aller? Vous êtes prêts? En avant! Imagine, ton invention est l'accessoire numéro 1 pour les meurtres dans le monde. C'est pire que d'être le docteur qui a inventé la guillotine. Assieds-toi là, Artyom. Et toi, Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié? Bon, t'as le matos? Allons-y! Hé, les mecs, vous allez à Riga? Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer? Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je peux le faire. Alors allons-y. Yeah, on a notre moteur ambulant. On peut y aller. Très bien.
Bonne chance à ceux qui restent. Et à nous aussi. Ah, allons-y. Souhaite-nous bonne chance. Bon. Vous êtes prêts à être enfin ailleurs? Oh, c'est le basic. Waouh, Artyom! Enfin libre! Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa. Ou dangereux. Ou encore mieux, non? Yeah. C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement. Alors, d'où vous venez? Riga, je fais ma tournée. J'achète des marchandises. Vous avez dû voir du pays, alors? Go, ouais. Go, go! Stop. Le marché est juste à côté de Riga. Et c'est une grande station de métro. J'ai fait plusieurs voyages à police, mais pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Faites bon voyage. Pour être de Hanza. J'aimerais bien voir ce truc. La zone Hanza est reliée à tout le métro, avec ses nombreuses stations. Mais les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, vous pouvez passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Et ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. J'ai même pas réussi à atteindre la station. Tout à coup, j'ai été paralysé par la peur et j'ai pris la tangente. Ralentissez, les gars! Peter, qu'est-ce qui se passe? Une caravane militaire est immobilisée près de Alexeyevskaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Alexeyevskaya. Oh, merde. Je déteste ce tunnel. Ok, Peter. Ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce tunnel? Ben, c'est un tunnel ordinaire. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier. Bon, je l'aime pas, c'est tout. Faites bon voyage! On est sur une résine, et on est armé, donc on devrait y arriver. Not sure of that. T'avais pas chargé tantôt? Parker. Bon sang, ma tête me fait mal. Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Ok, Eugène. Aide-le, on ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artyom. Problème! On sera à Riga en moins de deux. Bon, il faut partir d'ici au plus vite. Je trouve ça flippant quand ils nous rôdent autour. Ils me font pitié. Ils? Mais qui ça, ils? Vous les entendez pas pleurer? Comment ça, pleurer? Mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce qui se passe? Boris? Boris! Qu'est-ce qui m'arrive? Quoi? Oh! Ma tête! Ah, Artyom! C'est quoi? Guys? Oh. Wake up! Artyom! Par ici! Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée! À tout prix éliminée! Tu comprends? Hello, UFO. Qu'est-ce qui se passe? Merde! Wake fucking up! Réveillez-vous, bon sang!
Maurice! Maurice, réveillez-vous! Maurice! Merde, ça craint! Yeah, ouais, pédale! Fucker! Ah, mon dieu! Ah! Tire-leur dessus! Tu tires, je prends le levier! Yeah, I like that. C'était chaud. J'ai besoin d'un verre. Yeah. On est des Russes après tout. La station Riga n'était que le premier arrêt de mon voyage. Mais la caravane n'a pas continué. Alors, avant de nous séparer, nous avons bu à notre survie. La vodka ne m'avait pas ôté la peur de me rendre seul à police. Mais j'étais sur le point de trouver un partenaire aussi inattendu que célèbre. Tu parles comme un poète, c'était double. Bon, les gars, trinquons à la santé de notre ami Artyom, qui se fiche des monstres et phénomènes du genre. Artyom! Ah, à toi! Yaboy! Franchement, sans toi, Artyom, on aurait été littéralement déchiqueté. Tu mérites une médaille. Ou au moins des munitions. Tiens, prends-les. À yeah, toi, Artyom. Artyom, à la tienne. Ah, qui c'est que nous oh. Artyom, t'es vraiment immunisé contre ça? Voyons si cette vodka le met KO. Ok, on hey, va Pete. Vérifier ça. À notre bonne étoile. Allez, et Artyom. À toi. Elle tape cette vodka. Allez, raconte. Le tunnel vers le marché est fermé. Je m'ennuie à mourir à rester planté là. On a franchi une sorte d'onde invisible. On s'est tous évanouis. Holy fuck, ça sent bien. Une horde de nos alliés s'est accroché à toi. Mais notre ami Artyom, lui, il a eu. Comme si ce tunnel lui faisait rien. Alors il tirait. J'ai le droit. Laissez-moi sortir de la station. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je vis ou meurs? Je vois ce chic type aussi. Je m'en fiche, crétin. Mais j'ai des ordres.
Yeah, another one. Can't do that two times. Attends, il va se laisser son shot, yeah? Yeah, good. T'es la... Avec tes deux yeux crush. Ton nez pété pis ta barbe mal faite. Hey boy, y'a pas content. J'ai envie de s'en aller. Aha, je sais qu'il y a quoi. Avec une sharp cut, tu veux te faire plus russe, please? C'est un casque blanc que t'es supposé avoir, no. Wow! T'es vraiment arrivé ici sur une draisine? Ouais, regarde-moi quand je te parle. Oh, ah. C'est toi, Artyom? Yeah, boy. Tu me donnes une balle? Eh, hey, y'a un homme là-bas qui t'attend. Je t'y conduirai en échappée si elle va avoir une fessée. Ok, trouve-le toi-même alors. Yeah, boy. T'es vraiment radin. 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 Le kid discret, ça me crie tant de radin. Je conduirai en échange d'une balle. Fuck you, bitch. Ah, t'es vraiment radin. Putain, je te vole la pièce que tu cachais sur ton oreiller. Ah, t'es vraiment radin. Yep. Le pire que j'ai vu, c'est Sevastopolskaya. Merci. Ah non, je t'en ai donné une. Fuck you. Give me back my piece. Bahamar, prends son cash. Et... You there, boy? Alright. J'ai pas trouvé le gars, j'ai trouvé la sortie. Dude, supposed to be somewhere. I can go. Yeah, this cash. What the fuck? C'est quoi le dude? Il est pas là si je donne pas la pièce au dude? Je suis sûr qu'il doit être là. Bon, tout j'ai rien fait aller. Ah, ça c'est des chiottes mal faites. Bon, en vrai, le gars il est sur le bord du feu, puis j'ai fait ce chemin là pour aller. Je parle pas au radin. Je parle pas au radin. Laisse-moi, laisse-moi. Je permettrai pas de te piquer. Fuck you. Venez, regardez, essayez, achetez. What the fuck?
j'en peux plus. Why the fuck out? C'est quoi ce niaisage là? Shut the fuck up, what the fuck? Donnez-moi quelque chose. Merci. You'll do. Fuck you, kid. Allez, j'ai fait de la tour, là, si je peux, je laisse pas passer d'autres. What a joke. Approche. Ah. C'est donc toi, Artyom. Assieds-toi. On m'appelle Bourbon. Écoute. Je dois aller à la station Arid pour... affaires. Mestroara est fermée. Mais je connais un chemin. Un passage maudit. Que les habitants ont peur d'emprunter. Mais il paraît que ce qui se passe dans les tunnels ne t'affecte pas. Donc, tu m'aides à rejoindre Arid. Et je te donne mon calache une fois là-bas. Entendu? Bon. Voici une avance. Au cas où t'aurais besoin d'un peu d'équipement. T'es prêt? Inutile de rester dans ce trou. Yeah. Cash. Ouais. Oh, hell yeah. En entrant dans le tunnel abandonné avec Bourbon, je me demandais si j'avais eu raison de lui faire confiance. Mais les portes de la ville étant toujours condamnées, c'était peut-être ma dernière chance de quitter Riga. Enfin, on est libre. Ouvre l'œil, le
tour en Dresine est terminé. Beaucoup d'hommes sont morts dans ces tunnels. Mais si on reste sur nos gardes, on y arrivera. Yeah, go along, bitch. Bon, je crois que ce serait assez pour l'épisode 1. T'es déjà en train de te battre. On va pas te faire tuer. On a même pas commencé l'épisode 2. Bon, alors on se retrouve une prochaine fois pour le reste. Au revoir.